Alors, premier match de la saison, juste avant la pré-saison qui n'a pas encore commencé ici en Australie. Match à la Gold Coast, en ouverture de Dragon contre les Titans de la Gold Coast. Donc, tu as fait le match d'ouverture. Alors, explique-nous un peu ce match de sélection que tu viens de réaliser. Donc, il y a des équipes qui ont été composées, sont sorties des 36 filles qui sont sorties de la sélection. Donc, il y avait l'équipe des Pink et l'équipe des Blues. Et en fait, c'était un match qui, en ouverture des Titans, donc, qui a juste pour but de former la première équipe de NRL des Titans donc, pour la saison prochaine. Premier match aussi pour toi après ta blessure début mai avec les East Tigers. Alors, comment tu t'es senti? C'était pas facile, j'ai passé un mois à essayer de me préparer au mieux pour ce match. Mais voilà, fatigué assez rapidement quand même, on voit qu'il y a des lacunes au niveau physique. Mais voilà, l'équipe était très soudée et je pense que c'est ce qui m'a aidé un petit peu à me surpasser, à donner le 1% qu'il fallait. Donc dans l'ensemble, ça allait. Et vous avez gagné? On a gagné, oui. C'était un match assez intense au niveau des contacts et au niveau du jeu. Mais voilà, je pense que la culture qu'on a construite autour de cette équipe a fait qu'on a pris le dessus assez rapidement. Donc après cet essai, on revient un peu au calme. Donc pour toi, le futur, ça va donner quoi alors? Bah déjà l'intersaison avec East qui va commencer fin novembre, début décembre. Après, le but pour moi cette saison, c'est déjà d'arriver à faire la saison complète. Et aussi pouvoir participer aux sélections dont j'ai pas pu participer la saison dernière à cause de ma blessure. Et pourquoi pas essayer de me faire opérer pour cette fois entrer en équipe de NRL.